Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et ce sera pour vous faire une journée avec moi, donc 24 heures avec moi. Vous allez me suivre tout au long de la journée, dire un petit peu ce qu'il y a au programme. Donc là, actuellement, il est 7h15, je viens tout juste de prendre mon petit déjeuner. Là, je m'apprête actuellement à faire mes soins visage, puis ensuite aller me préparer, m'habiller, puis me coiffer. Et ensuite, aujourd'hui, je vais me faire chouchouter, puisque devinez ce que je vais faire. 3, 2, 1. Non pas mes cheveux, mais je vais faire mes mimines. Donc oui, je vais aller faire mes ongles. Donc là, vous voyez, ils sont courts. Hein. Si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que d'habitude, j'ai les ongles naturels et très longs. Et du coup, bah, je faisais quand même des choses sur mes ongles et tout. C'était très joli et tout. Et ça me manque en fait. Et là, mes ongles poussent, mais tout doucement. Donc du coup, là, aujourd'hui, on va changer tout ça et se faire toute pimpée pour les fêtes. Et du coup, j'ai rendez-vous à 10h. Donc là, je vais partir vers 8h30 puisque en fait, je ne sais pas trop où c'est. Et je vais mettre le GPS, je pense. Puis de toute façon, vous serez avec moi. Je vous filmerai quelques séquences lorsque je serai là-bas. Et ensuite, une fois que j'aurai fait mes mimines, je vais aller en ville, donc à la rue du Gros Horloge pour celles et ceux qui connaissent des cadeaux pour Noël, puisque oui, la Fifi est encore pas en avance, elle n'a pas fini ses achats de Noël. Et par contre, je vais acheter normalement les cadeaux de mes loulous aujourd'hui. Vous allez voir en avant-première ce que je vais offrir à Filou et Ruby. J'ai tellement hâte de leur acheter qu'ils soient tout content pour leur offrir sous le sapin à Noël. Cette année, je n'ai pas fait de sapin à la maison puisque je ne le fête pas à la maison. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire à quel moment vous achetez votre sapin de Noël quand les fêtes approchent à grands pas. Pour moi et ma maman, on se dit qu'en fait, il faut l'acheter vraiment début décembre, tout début décembre en fait, pour vraiment en profiter. Il y en a en fait qui l'achètent le jour même et qui le jettent le lendemain. Mais de toute façon, je pense peut-être vous faire un vlog le jour de Noël. Comme ça, peut-être que bah, ça vous plairait. Si c'est le cas et que vous souhaitez que je filme ma journée de Noël, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me mettre un petit pouce vers le haut. Et en commentaire, on va se mettre un petit emoji. Vous mettez le petit sapin et comme ça, je saurai que vous souhaitez voir ma journée de... Vous souhaitez que je filme ma journée de Noël. Voilà, voilà. Donc là, je vais arrêter de blablater, sinon je ne suis pas prête de me préparer. Je vais me remettre sur mon film de Noël en replay. Donc c'est un Noël 5 étoiles. Et je vais faire mes soins visage tout en même temps. Je vais vous mettre ça en accéléré. Et on se retrouvera tout à l'heure, une fois que je serai prête. On se retrouve, il est actuellement 8h-10 et je suis enfin prête. Donc du coup, je vais vous montrer ma tenue du jour. Donc j'ai mis mon pull col roulé manche ballon rose poudré.
que j'avais eu à H&M. Je l'avais eu dans les rayons Dernière Chance. Il était à 7,99 au lieu de 29,99, il me semble. Donc franchement, j'ai fait une bonne affaire et j'adore trop les pulls manches ballon comme ça. Et en plus, avec col roulé. Que demander de mieux? J'aime trop. Il est vraiment trop, trop beau. Il est rose pastel en plus. Un petit peu saumon, on va dire. Mais il est trop, trop beau. Ensuite, en pantalon, j'ai mis mon pantalon 6 mm cuir en enduit, en fait. En enduit plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Noir de chez Mango, effet push-up. Voilà. Et au niveau des baskets, j'ai mis mes petites Converse mini de chez Primark. Ensuite, j'ai mis des petites boucles d'oreilles ananas et cerise. Et au niveau de la coiffure, bah du coup, j'ai plaqué mes cheveux et j'ai fait un chignon sur le côté, comme ça. Je trouve que ça change. Donc voilà, ça y est, je suis prête. Et d'ailleurs, je me tâte à me faire un troisième trou, peut-être ici. J'hésite, je sais pas trop, mais je me tâte. Il faudrait que je me renseigne sur les tarifs pour faire un troisième trou à ce niveau-là. Mais franchement, ça fait un moment que j'avais pas mis de boucle d'oreille. J'y pense pas en fait. Et il faudrait d'ailleurs que je m'en achète. Peut-être que ça va faire partie de ma liste dans mes cadeaux. Oui. Je vais regarder un petit peu la télé, donner à manger à Ruby et Filou avant de partir. Puis me préparer, mettre ma veste. Et ensuite, on sera parti pour aller faire les zooms. Donc, je vais regarder à quelle heure est mon bus. Et sinon aussi, j'ai pris mes petits compléments alimentaires. Alors attendez, je vais vous les montrer. Hop. Mes petits compléments alimentaires de chez Airbus. C'est des gummies que je prends tous les matins. Donc je vous en ferai un retour prochainement. Après, j'arrive pas à voir en fait s'il y a du changement ou pas, parce que moi en fait mon souci, enfin c'est pas un souci, c'est que mes cheveux sont bouclés, donc du coup vous ne le voyez pas s'ils ont poussé ou pas. C'est plus quand ils vont être lisses que je vais voir la différence. Mais du coup, dès que je lisserai mes cheveux, je vous montrerai et je vous redirai ça. Mais j'ai toute la gamme de chez Airbust. Enfin, j'ai les gummies, le shampoing, l'après-shampoing, le masque et le spray. Donc j'ai la totale, voilà. Donc, c'en est tout. Je vais vous laisser là, puis on se retrouvera tout à l'heure sur le chemin en route pour aller faire les ongles. J'ai trop hâte de me faire chouchouter. Ça fait tellement du bien de se faire chouchouter, que ce soit les ongles, les cheveux ou un soin du corps, visage, massage, etc. Franchement, je suis trop contente de me faire bichonner. Et ensuite, on va aller faire les magasins. Changement de programme, donc du coup actuellement il est 8h10, je viens de regarder mon compte Instagram et j'avais un MP de ma prothésiste ongulaire qui devait m'accueillir aujourd'hui pour faire mes ongles. Malheureusement, elle ne pourra pas m'accueillir puisqu'elle est qu'à contact, donc du coup elle doit faire un test pour voir si elle est positive. Et puis elle a préféré annuler le rendez-vous plutôt que de propager ce virus là. J'espère vraiment qu'on va vraiment vite s'en débarrasser, mais ça a l'air vraiment très mal parti quand on voit déjà la propagation du variant Omicron. Donc voili voilou. Et puis je suis quand même prête, donc du coup de toute façon d'une manière ou d'une autre je serai sortie même sans aller faire mes ongles. Je vous avoue que je suis un peu déçue parce que j'étais contente de vous emmener avec moi et de vous montrer mes nouveaux ongles bien longs et tout pour les fêtes, mais ce n'est que partie remise. Et puis je te souhaite un très bon rétablissement si tu passes par ici. Je croise les doigts pour que ton test soit négatif. Et voilà, et prends bien soin de vous. Je vous reprendrai avec moi lors du jour du rendez-vous. Ne vous en faites pas. Je ne vous ferai pas louper tout ça. Donc aujourd'hui, là, je vais me préparer. Donc là, je vais mettre ma jolie surchemise de chez Zara. Hop. Voilà, comme ça, je n'aurai pas froid du tout. Et du coup, pour le programme du jour, je vais aller à Intermarché. Et ensuite, je vais aller à la rue du Gros. Comme ça, je vais faire les magasins tranquillement. Et je vais regarder ce qu'il me fallait à Intermarché parce que je pense me reprendre des avocats, de la sauce pesto. Et je vais regarder d'autres choses qu'il y a en fait. Et puis aller après me balader sur Rouen. Je dois passer aussi dans une bijouterie
pour aller voir une amie et lui parler de quelque chose. J'essaierai de vous filmer des séquences du marché de Noël si ça vous dit. Enfin non, bah oui, de toute façon vous allez me suivre pendant cette journée. Et bien bah là, je suis prête. Donc du coup ma chemise est un peu plus longue derrière que devant. Donc là, ma surchemise se présente comme ceci. Et j'adore trop les couleurs rose, taupe. Elle est vraiment trop trop belle. Je trouve qu'avec le pull, ça va bien. Et là, elle est un peu plus longue derrière que devant. Voilà, donc avec ça, je n'aurai pas froid. Et je l'adore trop, cette chemise. Et elle est vraiment chaude, elle est épaisse comme tout. Après, je ne ferme pas les boutons. Je vais mettre mon sac en bandoulière et c'est parti. Donc, hop, je vais vous reprendre comme ça. Du coup, là, on va se retrouver une fois que je serai en ville. Et bah, je vous filmerai des séquences des endroits où je vais aller, de ce que je vais prendre, etc. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure une fois que je serai arrivée en ville. La magie du montage fera en sorte que pour vous, ce soit dans quelques secondes et pour moi dans 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà! Je suis sur la gamme de chez Aussi et je me tâte à prendre ce shampoing-ci. Le soin et cette huile miracle à l'avocat, aux noix de macadamia et de graines de jojoba. Ça doit être pas mal du tout. Donc je réfléchis. Je pense que j'achèterai ça, mais pas aujourd'hui. Chalet d'Hyper Noël au marché de Noël. La petite boîte aux lettres pour faire sa petite lettre au Papa Noël et le magnifique sapin. Une petite arche et vous pouvez passer à l'intérieur du sapin. C'est magnifique. Enfin, les poubelles.
magnifique cathédrale de Rouen. Oui, on a des offices. Bon, c'est bon. Non, je sais pas. On va rentrer. Une ambiance cocooning pour Noël. Heureux tout le monde, on se retrouve, il est actuellement 10h45 et du coup j'ai pas trouvé mon bonheur, donc du coup je pense que je reviendrai et je vous montrerai. Mais sinon, au niveau du cadeau pour Filou, j'ai dû le commander parce qu'il y en avait plus en magasin, et quand ils vont le recevoir je retournerai le récupérer, je suis trop contente. Et j'ai commandé aussi le cadeau pour Ruby, pareil. Donc là, si vous m'entendez pas, c'est parce qu'il y a un gros camion de travaux. Et là, je suis en direction pour marcher, pour reprendre le bus et pour retourner à la maison bien au chaud. Et là, c'est au tour de Filou de faire sa petite balade matinale. Re tout le monde, on se retrouve, il est actuellement 13h20, je suis en train de regarder les infos sur TF1 et là, en train de préparer mon repas de midi, du moins là j'ai mis le four à préchauffer, et à midi ça va être frites maison avec escargot en crème d'ail, Fleury Michon, édition limitée, et ça se présente comme ça en fait, dans un petit ramequin comme ça. Vous enlevez juste l'opercule et ensuite vous mettez au four, donc
On verra ce que ça donne. Je vous donnerai mon avis sur ce que j'en ai pensé, si c'était bon ou pas. Et en plus, il me reste du pain d'hier que j'ai acheté tout frais, qui était brûlant. Donc, je pense avec du pain et la sauce des escargots à la crème à l'ail, pépite, je vais me régaler. Plus les frites, alors là, ça va être nickel. Donc, on se retrouve tout à l'heure une fois que tout ça sera prêt et je vous ferai une petite dégustation en avant-première. À tout à l'heure! C'est parti pour la dégustation. Verdict, c'est vraiment délicieux, donc je valide à 100% et je suis sûre d'une chose, c'est que demain je vais aller m'en racheter parce que j'adore, c'est vraiment trop trop bon. Il m'a suffi d'une seule bouchée pour vous dire mon avis et moi franchement mon avis c'est vite fait. Une fois que j'ai mangé une bouchée, je sais déjà si je vais adorer ou pas. Et là c'est le cas, donc je valide à 100%. Donc pour celles et ceux qui aimeraient tester, la boîte se présente comme ceci. Et je l'ai eu à Hyper U. Voilà! Bon appétit et bonne journée! Verdict de mon repas, c'était vraiment délicieux. J'ai raclé jusqu'à la dernière goutte, il n'y a plus rien. Je me suis régalée. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi bon. Je me suis dit, bon, c'est tout petit et tout, ça se trouve, voilà quoi, ça va être fade ou autre. Mais franchement, en plus, il y avait des escargots, des champignons et de la crème à l'ail. Alors là, c'est une des crèmes que j'adore dans les escargots. C'est délicieux. Avec du pain et les frites. Alors là, mais pépite. Donc là, je vais manger en dessert une mandarine. Devant un film de Noël sur TF1. Je vous mettrai le nom du film juste ici, si ça vous dit. Puisque vous pouvez aussi le regarder en replay. Et je vais ensuite me poser avec Filou et Ruby sur le canapé, jouer avec eux et soit si je fais quelque chose d'intéressant, je reprendrai la caméra, mais sinon on se retrouve pour le goûter. Donc on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve, il est actuellement 17h et du coup je n'ai rien fait de spécial, c'est pour cela que je ne vous ai pas filmé avant. Je continue encore et toujours à regarder des films de Noël car j'adore ça en cette période. Et là, pour le goûter, je me suis préparé du pain de mie complet aux graines avec du beurre de cacahuète et des graines de chia. Avec ça, un petit Kinder Maxi, enfin petit, tout est relatif, avec un grand, une barre de Kinder Maxi. Donc voici mon petit goûter et je pense que par la suite, je vais peut-être me manger un kiwi, rien de sûr. Donc on se retrouvera tout à l'heure. On se retrouve, il est actuellement presque 19h et là en fait j'ai pas une énorme faim puisque j'ai pas mangé de bonne heure à midi. Je vais manger la moitié d'un avocat et ce sera amplement suffisant. Ensuite je vais prendre le morceau de pain qu'il me reste, je vais le couper en deux et le toaster au four. Puis par-dessus je vais mettre du fromage fouetté Madame Loïc, ail et fines herbes et des tranches d'avocat par-dessus. Et le reste d'avocat qui va me rester, je me suis fait une petite vinaigrette, huile d'olive, vinaigre et sel. Et je vais manger le reste comme ça. Donc je vais me faire ma petite entrée d'avocat, la moitié. Et l'autre moitié, je vais le faire en petit sandwich, voilà, en mini sandwich. Et voilà, c'en est tout. De toute façon, là, comme vous avez pu le voir, il y a plus eu
contenu ce matin, parce que c'est ce matin que je suis sortie. Et après, tout au long de la journée, je suis restée au chaud à la maison, à profiter, à rester avec Ruby et Filou. Et en plus, il faisait vraiment froid aujourd'hui, ça s'est vraiment bien rafraîchi. Et voilà, donc c'en est tout pour ce soir. Je vais rien faire de spécial, si ce n'est regarder encore et toujours des films de Noël. Peut-être mettre les épisodes du Meilleur Pâtissier que je n'ai pas, que j'ai loupé. Ou alors peut-être Tous en cuisine avec Cyril Lignac, car j'aime beaucoup cette émission. D'ailleurs, si vous aussi vous aimez cette émission, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Quelle est votre émission préférée que vous aimez regarder à la télé et que vous ne loupez jamais, ou alors que si vous loupez, vous regardez en replay. Voilà. Donc, c'en est tout pour 24 heures avec moi. J'espère vraiment que ça vous aura plu, même si n'y a pas eu beaucoup de choses très intéressantes. Mais bon, c'est comme ça. Après, je ne vais pas inventer des choses. C'est comme ça dans mon quotidien. Il y a des jours où je vais faire beaucoup de choses et des jours non. Comme je vous disais, je n'ai pas pu faire mes ongles, mais ce n'est que partie remise, malheureusement. J'étais contente, en plus je me suis dit ça sera un vlog intéressant puisque je vais me faire chouchouter, etc. Vous verrez le avant et après, mais ça n'est que partie remise. J'espère avoir mon rendez-vous d'ici la semaine prochaine, du moins avant Noël. C'en est tout pour ce vlog. En tout cas, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir et j'aime échanger avec vous. Franchement, c'est à chaque fois quand je lis vos commentaires, ça me donne qu'une envie, c'est de continuer de faire des vidéos. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de mon Instagram et de mon compte TikTok, et à vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et à la partager autour de vous pour la faire découvrir et me soutenir de plus en plus, puisque franchement, je vois ma chaîne évoluer de jour en jour et ça me fait plaisir, même si ce n'est que un ou deux abonnés, et bien c'est toujours ça, et je suis très contente parce que si mon contenu vous plaît, moi ça me fait plaisir en fait. Mon plus grand plaisir, c'est de vous faire plaisir, et si c'est le cas, cœur à tout le monde. Et voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'ailleurs je crois que je vous l'ai déjà dit, à activer aussi la petite cloche des notifications pour être notifié à chacune des nouvelles sorties de mes vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !